vraiment heureux de me plaindre. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment j'ai horreur de ça. Parce que se plaindre, c'est la tristesse. Je préfère remercier. Être dans la gratitude. Et c'est le seul moyen d'être heureux. Il n'y en a pas deux. Je préfère voir que cette bouteille est à moitié remplie. Au lieu de dire que cette bouteille est à moitié vide. Vous voyez la différence? On a dit la même chose. Mais un vous rend heureux et l'autre vous rend triste. Alors dans les deux, je préfère être heureux. Voilà. Et ça me fait rappeler quand j'étais jeune, très jeune, j'ai joué dans une équipe de foot, une des meilleures équipes d'ailleurs de Mali. Et cet entraîneur qui était poli, qui était ceci avec un cigare dans la bouche, me faisait pendant 2 ans, tous les week-ends, je me déplaçais partout en Belgique pour espérer de jouer le match. Et pourtant, il ne me laissait pas jouer. J'étais dans le banc pendant 2 ans. Et ça, je peux vous dire, j'ai toutes les raisons de me plaindre. Et pourtant, j'étais heureux parce que je me dis, je ne suis pas bon assez, donc il faut que je travaille plus. Jusqu'au jour où j'ai eu de la chance, il y a une autre équipe qui m'a vu pendant l'entraînement et il m'a dit, je veux l'avoir à tout prix. Je suis allé jouer dans cette équipe et je suis devenu le meilleur buteur de l'année. Pour voir que tout est possible. J'ai joué dans cette équipe, j'ai eu par après un accident qui a fait en sorte que je ne pouvais plus jouer. J'en souffre encore maintenant. C'est ça la raison pourquoi j'ai arrêté. Des années plus tard, je t'ai invité dans la commune de Malines. Parce qu'un ami était échevin, c'était un grand ami à moi. Et je vois l'entraîneur là. Et vous savez qu'est-ce que c'est? C'était le président de l'extrême droite flamande. Et là, j'ai tout compris.